Mesdames et messieurs, les humbles serviteurs. Dans ce spectacle, il y a beaucoup d'émotions. Et c'est très touchant. Mesdames et messieurs, les intellectuels. Avec cette intensité, cet enthousiasme, se mettre dans la peau du texte d'Aimé Césaire. Ce matin, dans mon lit, enfin, dans un lit, on sentait tellement fortement qu'il parlait de lui et de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a senti, de ce qu'il a enduré aussi, mais avec un tel bonheur que moi j'étais très très ému. Je fais confiance au pouvoir de l'amour. Quand j'ai vu ce spectacle, je m'attendais à pas grand chose, enfin je veux dire j'y allais comme ça, et ça a été vraiment une révélation. Et assumer ma vraie et profonde parole. Laissez-moi boire 2-3 verres et puis je vous parlerai du spectacle. Je suis fils de rien du tout, même pas fils de pute. Un homme debout n'a d'intérêt que s'il a le poing levé. J'ai perdu, durant ma vie, trop de temps à jouer le rôle d'amuseur de noces et de banquet. Ça m'a bouleversé et à tel point qu'à la fin j'ai fini en pleurs. Mais... Quelle est ma mission sur Terre ? Moi ce qui m'a marqué c'est qu'il résume toute la problématique coloniale, post-coloniale, mais pas de manière vaseuse, évasive, mais de manière concrète, poétique, sanguine. Mon verbe est truculent, mais ce n'est pas un verbe intellectuel, c'est un verbe parfois qui est béchamel. Dans la chair, dans le sang, dans le talent absolu et dans l'énergie communicative qu'a David Valère. Donc ce spectacle est démentiel parce que je crois que c'est le plus bel hommage à Aimé Césaire qu'on peut faire. Car l'amitié et l'amour permettent de briser toutes les barrières sociales, économiques, de race. Et j'en suis une preuve vivante. On ressort de ce spectacle avec une énergie incroyable et pure, authentique, qui mérite d'être applaudie et soutenue. C'est un bavard, un séducteur, un comédien, un baratineur, un frimeur. Qui vous fait vraiment vous sentir au cœur de l'action. Un temps pour parler et un temps pour se taire. Je trouve que c'est un coup de force d'avoir déjà choisi de porter ce texte-là sur scène. En général, on en fait une lecture très intime et ça résonne à l'intérieur du crâne, entre les oreilles. Et là, de lui donner un espace, un corps, une voix, on ressort forcément un peu Aimé Césaire et un peu David Valère. Il y a quelque chose qui se transmet. On a encaissé David Valère et par derrière Aimé Césaire. En plus, ça rime. Merci beaucoup. Je me réjouis d'aller voir ce spectacle.